Allô, chérie. Allô, mon amour. J'espère que tu n'as pas oublié notre rendez-vous. Non, non. D'ailleurs, c'est à ça que je pense. Ah, mais tu sais quoi? Quoi? Ces derniers temps, je traverse des moments très difficiles. Hein. Je ne saurais l'acheter un cadeau comme prévu. Oh, t'inquiète. Elle n'a que 5 ans. Elle ne saura que tu ne l'as rien amené. En plus... Notre prédot n'est plus pour longtemps. Donc, c'est le moment pour toi de connaître ma famille. Oui, mais avec ton père, ça sera un peu compliqué. Oh. Il n'est pas aussi méchant que tu l'imagines. D'ailleurs, c'est lui qui m'a demandé de t'inviter. S'il te plaît, chérie, remettons ça pour une prochaine occasion. Pour être franc avec toi, je me sens pas prêt. Franck. Pardon. Bon, d'accord. On s'appelle plus tard alors. Parfait. Je t'aime, chérie. Je t'aime, Franck. Leslie, tu es sûre qu'il n'est pas mort? Non, maman. Il va bien. Regarde. Tu ne vois pas qu'il respire? Donc, il n'est pas mort. Leslie. Dis à ta sœur de bien prendre soin de lui. Je m'en vais. À mon retour, si je le trouve toujours dans cet état, je vais alerter la police. Hein? D'accord. Ah, je n'aurai plus d'autre choix que d'alerter la police. Je t'ai réveillé? Excuse-moi chérie, je ne voulais pas faire trop de bruit. Franck, il est 12 heures passées. Quoi? 12 heures? Oui. Tu vas où? Je rentre chez moi. C'est ta grand-mère chez toi? Bon, attends-moi. Arrête de faire les durs, sinon je vais donner la nourriture au chien. Apparemment, tu te rappelles plus de rien. S'il te plaît, chérie, je suis profondément désolée pour mon comportement. Désolée est un petit mot après tout ce que tu as fait hier soir. Tu te rends compte du désordre que tu as apporté dans ma famille? Sandrine, explique-moi tout dans les détails, s'il te plaît. Qu'est-ce que ça va changer? Rien, mais au moins je saurai comment me faire pardonner. Tu te rappelles de notre conversation au téléphone? Oui, je m'en souviens. Je ne sais par où commencer. Ce qui est sûr, tu étais venu en retard. Apporte-moi ma bouteille. C'est la fête. Toi, tu casses toujours. On mange quand? Papa, je viens tout juste de le rappeler, il est en route.
Patientez un peu, s'il vous plaît. On ne va pas passer toute la nuit à l'attendre. Hein? Il doit se dépêcher. Où est la cadette? Dans sa chambre. Vous savez au moins que c'est pour elle que j'organise tout ça. Bien sûr. Ah, je crois que c'est lui. Bonsoir à tous. Bonsoir. Excusez-moi pour mon retard, j'étais pris par les embouteillages. Tes excuses ne changent rien. T'es en retard, jeune homme. Je peux me mettre? Tu veux peut-être que je suis ta place. Papa. T'inquiète, chérie, tous les groupes sont durs, j'en ai l'habitude. Ah bon? Tu en as l'habitude. Donc, ce n'est pas la première fois que tu dînes dans la belle famille. Ah, ce n'est pas ce que je voulais dire. Hein. Et qu'est-ce que tu voulais dire? Qu'il vous revient de droit de prendre soin de votre fille, c'est tout à fait normal que vous soyez dur envers moi. Es-tu philosophe? Non. Nous ne sommes pas dans une salle d'interrogatoire, chérie. Hein? Laissez cet enfant fêter calmement. Ne vous inquiétez pas, maman. On parle entre hommes. De toute façon, vous avez tous les droits de me connaître. Voilà. Parlons maintenant entre hommes. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis administrateur. Et de quelle entreprise? Ah non, dans un groupe WhatsApp du département de la jeunesse de l'église. Eh bien oui, j'intègre vos jeunes et puis je donne une de compte. Oui, ça j'ai compris. Qu'est-ce que tu fais réellement comme métier? Ah, je crois avoir répondu à votre question. Donc, si j'ai bien compris, tu ne fais rien dans la vie. Avant, j'ai changé les monnaies. Et depuis que je me suis lancé dans le processus de mariage, je suis en manque de fric. Si je vous ai bien suivi, avant, vous aviez un bureau d'échange. En quelque sorte, oui, mais pas vraiment ça. Moi, j'étais sur terrain. En fait, j'étais du genre, bon, katana, bon, beba, bon, babine, toujours somba, toujours changé. Donc, je suis un homme de terrain. Voilà. Où sont passées mes bonnes manières? Mon fils? Oui, maman. Qu'aimerais-tu prendre? Comptes romanais Grand Cru de 1945. Malheureusement, je n'en ai pas. Et bon, je vais prendre l'Isley d'Isabella. Désolée, je n'en ai pas non plus. Et alors, Dalmor 64 Trinata. Hey! Mais d'où est-ce que tu sors les noms de toutes ces bouteilles de marque? Ben, de nos jours, c'est facile. Tout est sur Internet. Il suffit de taper les mots-clés et puis vous avez le résultat. Et tu te crois où? Hein? À une fête de Bill Gates? Tu sais ce que coûtent ces bouteilles? Une fortune, jeune homme. Et tu veux que moi je dépense ça pour toi? Oh là. Veux-tu que je te sers un verre de vin? Non, non, merci. Je ne prends pas l'alcool. Ah, je suis désolé, je ne vous juge pas. Je suis désolé. Chérie, je te prends une bouteille d'eau. Oui, merci. Va plutôt chercher ta sœur en chambre. Tu as quel niveau d'études? Je suis détenteur d'un diplôme. Et où as-tu étudié? Dans un centre de formation. Oui, mais exactement, tu as quelle formation? Je suis maître étalagiste. Je suis doué pour classer les produits dans les alimentations. Et c'est tout ce que je sais faire dans la vie. Que souhaiterais-tu devenir dans la vie? Président de la République. Ben oui. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, mon bébé. Joyeux anniversaire.
Non. Mais franchement, moi, mais je ne pensais pas que c'était un déguisement d'anniversaire. Elle est bonne, yo. Arrête. C'est quoi ton problème? Veuillez tous m'excuser. Oula. Je suis désolé. Où vas-tu? Franck! Hé, hey, toi! Là! C'est quoi? Oui, tu es parti sans me dire un mot. Et quoi? Mais comment est-ce que je me retrouve encore chez vous? Hey yo, c'est mal. C'est mal à l'obéir. Faut. Qui m'a dit que c'est Okima, t'es mal. Et on bouge, on a dit qu'on bouge, t'es bougé. Ok. Donc, yon, tu comment y'a ou hein? J'ai dit vacation. Pour les gens, petit, tu sais, on a mis ça ok. Moi, j'ai un cousin, ou tu pas oncle, ni mi, tu connais quoi t'as parlé. Ah, voilà. Donc, yonne pe mtu nga lolo. Yo. Zo konfwe. Yonne. Ba tu bo sala ki ba pe tite wona. Ba pe sa ba yan ke kak fimbo tete. Bongo. Bongo. Oh te. Ah. Nga bona hu yan ke makas. Bona bwe ba pe tite ba pe sa ba yan ke mbote pon. Yo yan ke. Ah. Yo yan ke. Bongo na. Bongo na yonan. Champion des armes en parle. Champion des arts. Ouais. On est qui est lui, Nicolas Lys. Yeah, yo. Oh, maître Gouli ici. Maître. T'es un coupé, t'es un banzoko baliana. Ah, comment on a eu maître Zangolou pour la banzoko baliana avant on a banzoko. Non, je n'ai pas les cabouettes. Merci. Maître, mon Cézanne, mon bon frère, ça l'a bien. Totaliwana. Où la nuit banduane? Comment on a un bouquet à Gaillard à whisky? Elle dit que c'est yo, elle m'a fait zéro. Elle dit que c'est yo, tu remets ça, c'est un faux maître. Elle est le qui? Attends, vous vous souciez tout ça? Rien, maître. Mais un bon loup, maître. Maître, viens, attends, c'est bon. Comment nous un bon loup, maître, la maille? Attends, c'est bon. Yo, comment on a? Oui. Boum de corps. Je te dessine animé, bakanga, les bas. Cesse de t'inquiéter, ma sœur. Je suis sûre, au moment où l'on part, il serait déjà chez lui. Ne donne pas trop d'importance à une personne qui ne te mérite pas. Papa. Où es-tu passé? Tu nous as tous stressés. Oh, ne généralise pas. Qui d'entre nous peut s'inquiéter d'un idiot comme lui? Je te sers à manger. Ah oui. Ouais. Je crois que maintenant tout le monde a retrouvé les sourires. Bon appétit. Oui, merci. C'est comme
comme si tu avais vraiment faim. Ça ne fait que récupérer le moment perdu de sa vie. Papa. Tu peux pas avoir un fils idiot comme toi. Jamais de la vie. Maintenant, est-ce qu'il faut le boire? Voilà. Ok. Bon. À triple vitesse. Allez, chérie, viens, on rentre à la maison. Quoi? Je ne partirai pas d'ici sans ma femme, la mère de mon enfant. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah! Apparemment, elle ne vous a rien dit. On attend un enfant ensemble. Non, non, non. Je ne peux pas supporter ces bêtises. Ah. Je ne peux pas. Mon Dieu. Je pense que ce serait mieux pour toi de partir. Hé, hey, Jésus. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi, Sandrine? Pourquoi? Pourquoi? Hé. Tu m'aimes toujours. Franck, je ne pourrai jamais me séparer de toi. Tu le sais bien. Toi, tu es encore dans ma maison? Non. Papa, il partait déjà. Jeune homme, viens ici. Hier soir, nous avons, ma femme et moi, longtemps discuté. Et après réflexion, nous avons décidé de te donner du travail. Tu vas travailler dans mon alimentation. Merci, merci boss, merci patron, merci. Appelle-moi papa. Merci papa. Et tant qu'étalagiste? Non. C'est toi le gérant. Ah! Merci. Merci. Merci papa. J'espère que cette fois vous serez sage. Merci beaucoup, papa. Avant d'accepter votre offre, j'ai une demande à vous faire. Oui? Est-ce que vous pouvez me donner 1000 francs pour compléter mon transport? Parce que j'ai perdu. La jeunesse. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Autre chose.